Connexion en cours. Bon, voilà, donc en français, moi je quand même beaucoup de mal, mais c'est vrai que pour se faire comprendre des fois avec des interlocuteurs qui ont le jeu en français, c'est quand même beaucoup plus facile, j'avoue. Donc là, étant donné que si vous regardez ce stream et si vous êtes tenté d'essayer EVE Online, vous l'essayerez probablement en français. D'ailleurs, quand on commence, à la limite, bah, de toute façon, pourquoi pas. Mais c'est que moi, je l'ai découvert en anglais. Bon, après, je dis pas, la traduction, elle est un peu discutable quand même. Donc là, on va acheter un héron. Hop, héron. Ben voilà, j'avais la recherche qui était dessus déjà. Donc on achète le héron. Alors pourquoi le héron? Parce qu'il a 7% de bonus à la puissance des sondes d'exploration et des sondes d'exploration de combat. Et il a 5% de réduction à la durée des récupérateurs. Alors, c'est les salvageurs. Oh, ouais, j'ai beaucoup de mal. Et il a un bonus de rôle, en fait. C'est-à-dire que 5% de bonus à la puissance du virus des analyseurs de reliques et des analyseurs de données. Donc, on va avoir besoin de tout ça, en fait. Là, on va avoir besoin des sondes d'exploration principales et on va avoir besoin des analyseurs de données. Du coup, on va pouvoir bénéficier des bonus apportés par le frégat Caldari et du bonus de rôle. Et ça, il y en a besoin. Donc voilà pourquoi le héros. Alors, on part au niveau de l'équipement et on va équiper ça. Alors, il y a pas mal de place au niveau des med slots. On va en avoir besoin d'un seul dans l'absolu. Après, on va quand même mettre deux trois trucs tant qu'il y a de la place en fait, hein, tant qu'à faire. Mais l'essentiel, on va commencer par l'essentiel. Du coup, c'est l'analyseur de données. Alors, on va recharger les sondes. On va regarder combien. Qu'est-ce qu'il y a là? Hop, il y en a deux. Et on va larguer les sondes. Si seulement ce pouvait être un site de données. Oh, c'est un site de données, voilà, c'est ce qu'on cherche. Là, 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 voilà, enfin, de l'argent. Enfin, bon, c'est pas fini encore. Alors maintenant, on va encore une fois continuer. Il faut trouver sa position exacte. Et voilà, hop. Site de données. Ce conteneur recèle des données précieuses, utilise un module d'analyse de données capable de pirater les contenants. Enfin, voilà, bah, c'est tout ce qu'on a prévu. Du coup, on rentre les sondes, faut pas les oublier. Hop, et on peut aller sur le site. Alors, je vais warper à 50 km. Allez. Salut, Spout. Les noobs. Mais non, il n'y en a qu'un noob ici, c'est moi. Donc 52 km, mais vu que j'ai mis un micro hard drive. Ça va, on y évite l'analyseur de données. Et ça nous ouvre ça. Allez là. Ah, ça, cœur du système. On va se soigner. Tac, tac. Et normalement, c'est bon. 20, 20. Voilà, piratage système réussi. Et dedans, on y trouve. Voilà, encore au moins 1 million. Ah non, effet personnel, celui-là de 9e rang. Ouh, mais oui. Eh ben voilà. De l'argent facile, c'est le nom de ce stream, et voilà. Impeccable. Du coup, là, on est déjà à. Alors bon, faut pas compter les feux d'artifice. Mais juste avec ces trucs-là, c'est assuré. 3 millions 3. Et voilà, avant-poste, site de données, on rentre les sondes. Et on y va. Alors, bon, allez, on va repasser zéro. Ciblage, verrouillage. Ah, cœur du système, mais là j'ai pas assez. Eh oui. Donc boum. Hop, on l'emballe. Hop, celui-là, ça s'est bien passé. Impeccable. Très bien, c'est quand même, ça reste rentable. Oh, 410 000. Bon, est-ce que ça a plutôt tendance à être sur les bords? Hop, ah, c'est bon. Un million 300 000, c'est bah là c'est pas ouf. Mais voilà, d'estimer, on finit quand même à 21 millions.
On est reparti pour le huitième épisode de EVE Online en mode gratuit avec un compte alpha, donc en free to play. J'espère qu'au niveau du son c'est bon parce que du coup j'ai tout changé. Alors on est bon, on rentre les drones, les sondes, pardon. Hop, et on. C'est bon, les sondes, je viens de les rentrer et on warp à zéro. Alors, on se rapproche du premier coffre qui est plein, donc les trois sont pleins, non, tant mieux. Un petit coup de micro hard drive pour se rapprocher un peu plus rapidement, même beaucoup plus rapidement. Ah, bah tiens, voilà, nickel, cœur du système, c'est pété. Piratage réussi. Sachant qu'en plus, est-ce que c'était. J'ai même pas fait gaffe si c'était le bon. Ah, il y a quelqu'un qui arrive, c'est pas vrai. Bon, 2 millions dans le. On soigne. Hop, je l'ai eu. Et on a 1 million dedans. Bon, bah c'est bien. Bah, je suis retombé un peu sur Eve, puis. Puis voilà, du coup, là, c'est vrai qu'on joue. J'ai retrouvé des potes d'il y a presque 20 ans. On remballe les sondes. Et on warp. Et Eve, il est quand même vachement bien. Il est quand même bien. Alors après Star Citizen là, il est un peu pété, mais bon, ça s'est arrangé, ça va aller mieux. Hop, et ben voilà, celui-là, vite fait, piratage système réussi. Plus tu alignes vite, moins tu as chance de te faire lock par un gros vaisseau. Oui, ouais, mais là. Ça risque pas vraiment d'arriver. Oh la vache, y a rien du tout là. Alors là, c'est pas compliqué. Je vais choisir lui. Un coup de soin, deux, même. Et c'est good. Piratage système réussi. Alors qu'est-ce que ça me donne? C'est pas ouf, des feux d'artifice. Oh, bah dis donc, celui-là il était pas terrible. Et puis j'arrive au système. Et là, c'est bon en fait. Là, c'est bon. Un, deux, 3 clics, piratage du système réussi, on ouvre le coffre et on a 3 millions dedans. Oh là là, impeccable. Qu'est-ce que c'est qui vaut 3 millions? C'est le 3 millions 6. Alors, si je fais les détails du marché, ça vaut vraiment 3 millions 6. Ouais, ça se revend en instant 2 millions. Sinon, on peut le mettre en vente éventuellement à. Bon, ça vaut pas 3 millions 6, mais ça vaut. Allez, hop, je peux m'en débarrasser pour 2 millions, ce qui est déjà pas mal. C'était pas ça. Partir là, peut-être. Et c'était là. Tout petit peu trop loin. Et on a. Bien, jackpot, là, j'ai envie de dire. Hein, 5 millions, c'est jackpot. 5 millions, c'est jackpot. C'est très bien. C'est très très bien parce que ça, c'est 2 millions minimum. Il y a ça qui vaut 3 millions et quelques, impeccable. Vraiment là, très cool. Nice, effectivement, ouais. Comme tu dis, nice, là, c'est très très cool. Ça fait bien du pognon. Je vais finir par me payer un astéro au bout d'un moment. La blague. Non, mais c'est vrai, en plus, il y a moyen. Hein. Je veux dire, là, l'astéro, tu le payes en quelques heures de jeu, tu te payes un vaisseau. Attends, 5 millions d'ISK, j'aurais pas revendu mes trucs là, j'ai pas fait gaffe. Transaction du marché, voilà, bah, les sondes, je les ai revendues, voilà, hop. Sondes d'exploration, Commander Sister, voilà, elles ont été revendues. Et du coup, je pense que voilà, un dernier, on est bon. On est bon pour les 10 millions. Avant-poste de prospect. Alors là, c'est la SOTC, du coup, c'est pas ceux qu'il me faudrait, mais ça va pas empêcher d'aller. Rentrer les sondes et warper et d'aller voir, d'aller quand même le pirater en fait. C'est bon, j'ai le cœur du système, piratage du système réussi et on a de la daube. Tombe direct sur le, enfin direct, non, je tombe sur le cœur du système pour le pirater. Piratage réussi, 2 millions, 2 millions surassurés. Voilà, très très cool, très très bon. Et bingo.
Oui. Oui, en plus. Voilà, va falloir monter du skill. Falloir monter. Voilà, j'ai rien de tout ça en fait, parce que c'est du galant tamar, moi, Calda. Mais j'ai des points, hein, si je veux dépenser un peu du point. J'ai 500 000 points, suffisamment probablement de pouvoir le piloter direct. Alors pour l'instant, pas de. Ah voilà, c'est ce que j'allais dire. Pas de. Ah bah tiens, hop, en voilà deux. On fait le tour. Je vais encore. Je suis sûr que je vais tomber sur le. Eh ben voilà, c'est ce que j'allais dire. Je vais tomber sur le. Qu'est-ce qu'on trouve là? 2 millions, impeccable. 2 millions sûrs, assurés. Génial. Alors c'est de la SOTC encore. On rentre les sondes. On warp. Et on a dedans. 1 million. Caisse de vêtements historique du jour des capsuliers. Alors ça. C'est relatif le million. Et le voici, le cœur du système piratage réussi, à l'intérieur duquel il y a 1 200 000 assurés. On prend, évidemment, on prend. Et voilà. Bon, il y a encore une signature, hein. Je crois qu'il y en a une deuxième qui a pop, là, je crois. Et le dernier, alors, on fait toujours le tour, on cherche de l'utilitaire, on évite les firewalls. Et qu'est-ce qu'on a là? On a toute cette branche encore là, passer par là-haut. Un utilitaire impeccable, j'utilise tout de suite, comme ça fait monter ma barre. Et là, je passe ce firewall là, j'utilise cet utilitaire, je l'utilise aussi. Je suis coincé, tac, 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 le cœur de système il est par là. Ah non, il est pas là. Lui. Non. Ah! Bon là j'ai une chance sur deux. En général, c'est pas bon, moi, une chance sur deux. Ah là, ça y est, là c'est good. Normalement, c'est bon, c'est passé. Piratage réussi. Et on a à l'intérieur. Oh, un skin de Héron versus. Ah, mais celle-là, elle est pas mal. Alors, c'est pas celui que j'ai acheté. Hein. Ouf, ouf, ouf. C'est pas celui que j'ai acheté tout à l'heure. De toute façon, je l'avais acheté rien du tout. Sauf que, il se vend 2 millions 5. Le versus. Bon, déjà, je vais le prendre. Voilà. Hop, déjà, ça c'est fait. Et il se vend 2 millions et quelques, et c'est le versus Blue Force. Voilà, donc tout à l'heure je disais que le Blue Force, il se lootait, ben le voilà. Ça là, elle est pas mal. Alors la question, ce sera l'utiliser ou le vendre pour financer l'astéro. Et du coup, on est à 21 millions, sachant que là, il l'estime à 189 000 ISK, mais c'est pas du tout ça. Il se vend plutôt dans les 2,5 millions. Bon, alors il y a une chute de prix. Mais 2,5 millions, 2 millions, en le mettant à 2 millions, autant il part dans les minutes qui viennent, en fait, qui suivent la mise en vente. J'aimerais bien arriver au suffisamment d'argent pour acheter un astéro. De l'exploration, on en a besoin, un booster de balayage. Voilà, c'est parti pour 2 heures de booster. Site de combat, site de combat. Ouais, non, mais bon, ce soir, il n'y en aura pas. Pas ouf du tout, hein. On est à 428 000 de. Oula, d'estimé, hein, d'estimé. Donc, et un trou de ver, génial. Bon. Allez, on pourrait faire les 20 millions, là, d'estimé. C'est faisable. C'est faisable, là, les 20 millions d'estimé, ça peut être fait. Ah, c'était le bon. Et dedans, on a 1 310 000. Ok, c'est bien, c'est bien, c'est bien, je prends. C'est très cool. Et oh ben voilà le cœur du système, piratage réussi. Et dedans on a 1 million. Oh ben c'est bien, 1 170 000, c'est génial. Et oh ben voilà, le cœur du système, il est là. On ouvre et on a 381 000. C'est pas ouf. Ah oh, quoi, attends, c'est un BPC ça. Je le trouve en plus impeccable. Et on a. Ouh. Attends, pourquoi 6 millions, c'est quoi? Ah, c'est parce que c'est un. C'est un 11e rang et c'est une victoire. Ouais, on finit super bien, c'est génial. Je vais me rapprocher pour être un peu plus, essayer d'être un peu plus précis peut-être quand même. Hop. Et on met les sondes au minimum. On rentre les sondes et on warp. Attends, avertissement. Les capsuliers qui activent le portail d'accélération pour pénétrer sur le site de données déclencheront un compteur d'activité suspecte et pourront être légalement pris pour cible par tous les autres capsuliers. Ah bon? Alors celui-là, je ne le connaissais pas. On pourra être pris pour cible par les autres capsuliers. Eh ben, est-ce qu'on tente?
Est-ce qu'on prend le risque? Ouais, donc il y a un portail. Ok. Il y a un portail. On tente, hein. Sécurité partielle, ça suffit. Bon. Pendant combien de temps est-ce que je vais être suspect? Chrono de suspect. 15 minutes. Les capsuliers peuvent attaquer librement. Donc je suis. Ah putain, mais il y a du monde. Il y a. Ah, oh, tout ce qu'il y a, c'est trop dommage. Ah, je vais pas m'en sortir là. Tout ça pour même pas m'en sortir. Il faut que j'aille ailleurs, n'importe où. Ah bah je m'en sortirai pas. Ah bah le héron, fini le héron. Ok, et boum. Ah bon bah j'avais rien de valeur sur moi. Et je peux pas, même avec ça, je peux pas l'activer. Et voilà. Cheetah, mercenaire, tac 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 tac. Bon. Alors, le héron finito. Ok, il va falloir acheter un autre héron. Bon, il y a Thunder 7, et puis après, Clivic 9. Bon, de toute façon, s'il y a du métamorphosis un peu partout, la concurrence va être rude. Même très rude. Il n'y a personne dans le local, donc personne ne viendra, en tout cas pour l'instant, là tout de suite, personne ne viendra se mêler de mon exploration. Ok, alors, faut avoir des skins moches. Oh, faut que j'arrête de dire des skins moches. Mais, des skins qui sont pas à mon goût, on va dire. J'ai pas fini. Et dedans, on a 3 millions. Eh ben, c'est cool, ça démarre très fort. Allez, on prend, impeccable. Alors là, on a 1 million. Ouais, c'est bien, 1 million. Bon, c'est toujours ça de prix. Dernier coffre. Alors, on fait le tour. On évite les firewalls. Si on trouve du soin, on le prend tout de suite. Et là, je suis coincé. Ah non, il me reste un là. Hop, le soin, on l'active immédiatement. Comme ça, on monte 117 la résistance virale. C'est pas mal. Bon, ben, vu que j'ai mis un coup. Oh là 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 là. Un autre petit. Ah bah tiens, le voilà. Qu'est-ce qu'on a dedans? De la dope. Et le voici, le voilà. Qu'est-ce qu'on a dedans? 1 200 000, impeccable, sachant qu'il y a un truc qui vaut. Oh, c'est quoi ça? Compte d'automatisation Talokan. Ok. Je prends. Dans tous les cas, je prends. Je vais bientôt avoir une soupe pleine. Okay. Ah, bah le voilà. Tac. Et dedans, on a 2 millions. Cool. Qu'est-ce que c'est? La caisse de vêtements qui vaut éventuellement. Éventuellement. Niveau du market. Oui, voilà, en instant. Bon, il y a une grosse chute de marché dernièrement, forcément. Allez, boum! Ça, c'est de l'orbite, ça. Alors, t'éloigne pas trop. Hop! Les soins, on prend, on active immédiatement. On évite les firewalls. Deuxième soin, impeccable. Bon, alors du coup, c'est pas faire le tour, ça. Là... On continue, les soins, je les garde. Je les activerai après ce firewall là. Voilà, hop. Ouf. Encore. Bon, allez. Ok. Ah, ben le voilà. Hop. Et dedans, on a 2 millions effets personnels en 8e encore. Ben, impeccable. Décrypteur de... puis alors les feux d'artifice, ils les estiment à 1 demi-million. Mais on en est loin, encore une fois. Mais, effet personnel à 1 200 000. Ok, je prends. Soute pleine. Direction. Heck. On sélectionne tout. J'ai dit, on sélectionne tout. Contrôle A. On garde que la sonde. Et on met tout ça dans le hangar personnel. Qui nous donne une estimation, la vache, de 128. De 128 millions, alors. Bon, on va passer là. Ça, on va l'activer. Hop. Ah bah tiens. Et on a à l'intérieur... Oh, bien. 10e rang. Cool, 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 cool. Sachant que là, il y a peut-être des trucs qui peuvent valoir plus que ce que ça me dit. Ah, bah le voilà en plus. Tac. Et au dé... Oh, 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 oh. Alors, si ça, ça vaut vraiment ça... Oui. Oh, oh là 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 là, la journée, mes amis, la journée. Incroyable.
Incroyable. 23 millions. D'estimé encore, on a estimé. Mais là, voilà, j'ai l'astéro. Je l'ai, l'astéro, là, c'est bon. L'astéro, il est plié. Et là, on finit sur 1 million 2. Eh ben, dites donc, comme ça, hop, hop, les points sont remontés. Cœur du système, piratage réussi. Et on trouve 2 millions. Oh, bah, voilà. Et on vide la soute et c'est très bien. Alors là, ça a été, voilà, donc on revient avec 30 millions estimés. Bon, encore une fois, c'est estimé, hein. Déjà, rien que les... Il me dit 1 million 6 de feu, 1 million 7 de feu d'artifice, mais non. Ah bah tiens, le voilà. Clac, qu'est-ce qu'on a? Résultat, 2 millions. 4 millions d'assurés, il y a 4 millions. 4 millions 100, c'est sûr, c'est assuré. Et là voilà. Et du coup, on a 3 millions. Allez, donne-moi... J'aurai pas le temps de tout faire là. Il y en a combien? Il y en a 2, 4, 6, 8, 9. Bon, après, en plus, de toute façon, je peux avoir une poisse, pas possible. Cet après-midi, à un moment, il y en avait 10. Je crois que sur les 10, je suis même pas sûr d'avoir eu un seul site de données en fait. On a qui là? 15%. Et la veille, j'en avais 4. Et 4, c'est 4 sites de données. Donc bon, c'est aléatoire, random. Trou de ver. Là, il y avait longtemps, tiens, ça. J'en ai une encore là. Hop. C'est dedans, là. Si je fais ça, je suis plus dedans. Si je fais ça, je suis dedans. Ok. Medoc. Une fois que j'en aurai fait celle-là. Édition de prospect. Gurim Alakim en plus. Impeccable. Et le fit. Hop. Le cœur du système. Piratage réussi. Et on a. Oh, un skin de Thorax. Combien ça vaut ça, un skin de Thorax comme ça? Parce que là. Oh non, sérieux? Hop, et le voilà. Et on est sur 2 millions. Et voilà, très cool, très très cool. Du coup, là, j'ai 21 millions. J'ai quasiment l'astéro dans le. Là, c'est sûr, en fait, je l'ai, l'astéro. Il me revient 4 millions sur. Au lieu de 3 millions 5 si je vends en instant. 125, et ben ça suffit pas. Ah si. Il y en a un à 118. Oh là là, ça suffit. Astéro, acheté. J'ai 4 millions de marge. Croix. Yop. Hangar à vaisseau. Et voilà l'astéro qui est dans le hangar. Oh, l'astéro, le voilà. Assembler le vaisseau. Est-ce que je peux le piloter? Frégate amarre niveau 3. Ok. Donc, frégate amarre niveau 3, c'est 30 minutes, c'est quelques points. Et du coup, maintenant, je peux le glisser et l'activer. Et voilà l'astéro. Tadadam! Alors, j'ai presque même pas assez de quoi m'acheter des sondes. Si je veux le fitter correctement avec des sondes, en fait. Mais n'empêche, on l'a, l'astéro. Oh, le moteur, il est vraiment. Les réacteurs, ils sont vraiment bizarres. Voilà, enfin, l'astéro. Donc, comment le fitter après? Ça va être autre chose, hein, le fitter. Bon, allez, on va faire juste un petit essai avec l'astéro. Et enfin, on a enfin l'astéro. Enfin, l'astéro. Hop! Il est beau l'astéro, on regarde les skins ou ça vaut pas la peine? Ça vaut pas la peine de. Oh là là! Ça doit valoir quelques millions, ça. Ouais, il n'y en a aucun. Ça va bof. Oh là là.
Il est beau, l'astéro. Oh, ouais, il rentre les trucs quand il warp là. Wow. J'aime bien les petites animations comme ça. Jolie petite frégate, hein, vraiment. Vraiment une jolie petite frégate. Bon, sachant que si j'ai un peu des ordres qui passent, le wallet va remonter, devrait remonter un peu. Qu'est-ce que ça va te donner? Ah, il est joli, l'astéro, il est joli. Ah, puis les tourelles, là, pas mal. Les tourelles qui sont rouges aussi. Excellent. Site de données, level 3. Ah bah dis donc, bah voilà, nickel. Ça m'étonnerait que je reste seul dans ce site de données, mais bon. Kurim Alakim, allez, on rentre les sondes. Et on warp pas zéro avec le bel astéro. Millions, oh là là, oh là là, autant je vais le fail, non, même pas. Tiens, voilà, hop, ça c'est pour moi, et voilà, bah 15 millions. Mais à 2 jumps de Gita, c'était voilà, on était 3 sur le site. Je suis arrivé, c'était tout seul, mais j'étais en train de faire mon. Enfin, bon, j'ai pu quand même faire deux cargos, et puis on s'est battu quand même, on s'est battu entre guillemets. J'ai mis des tourelles, hop, elles sont. Hop, les tourelles, elles sont là. Les tourelles énergétiques, elles sont classe. Elles sont rouges aussi, comme le reste du vaisseau. C'est trop classe. C'est plus long que ce que j'avais prévu, encore une fois. Sauf que là, on y est arrivé. Ça y est, l'astéro est là. On n'a même pas le wallet complètement pété. Il y a un peu de sous dedans. Donc, c'est un succès. On est arrivé. On est au bout. Du coup, ça clôture l'épisode Go Astéro. Et maintenant, c'est Astéro au boulot. Ce sera le titre des prochains épisodes, je pense. Astéro boulot. Astéro boulot. Ouais, voilà, je vais les appeler comme ça. Astéro boulot. Sur ce, je m'arrête maintenant. Je vous remercie d'avoir suivi, d'avoir participé à cette diffusion. N'hésitez pas à follow pour pas manquer les prochaines. Si vous regardez cette diffusion sur YouTube, n'hésitez pas à venir me follow sur Twitch et à me mettre un petit pouce vers le haut si ça vous a plu. C'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez un commentaire ou une suggestion. L'espace commentaire est là pour ça. Nous, on se retrouve très vite, dans tous les cas. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie encore. Et comme on dit dans le milieu, fly safe. C'était Ludix. Tiens, je vais rester sur l'astéro. Voilà. Hop. Tac, comme ça. Voilà. Ciao à tous, merci.